gens sans buvables. Regardez vous-même ce que nos sœurs versent dans leur corps pour devenir belles. Regardez bien. Je vous reviens après. Regardez comment l'eau va changer directement de couleur. C'est comme ça que quand vous allez prendre ma poudre de glutathion aussi, vos imperfections vont disparaître à un laps de temps. Je répète encore, c'est pour celle qui veut blanchir. Si tu ne veux pas blanchir, ne prends pas ma poudre de glutathion. Elle coûte 100 000 francs en promotion. Regardez le miracle. La poudre n'est même pas encore en bas. Elle est en suspension du verre. Regardez comment l'eau est en train de changer. Regardez. Je vais aller rapidement parce que le temps ne me permet pas. Voilà, regardez comment ça change. Regardez. C'est comme ça que tes imperfections vont disparaître. L'eau va devenir claire. Je répète encore. À l'intérieur, il y a 10 ampoules. Vous buvez un matin, un soir pour avoir un meilleur résultat. Vous pouvez associer soit avec un gommage, soit avec un gel, soit avec un lait pour celle qui veut devenir transparente. Donc voilà. Regardez vous-même. Regardez comment l'eau devient claire. Regardez. Regardez comment l'eau devient claire. Ce test-ci, je le faisais l'année passée. Cette année, je ne l'ai pas fait parce que ma poudre était en rupture de stock. Donc, vous-même, regardez comment l'eau est devenue claire. C'est comme ça que tes imperfections vont finir, que tu aies des vergetures, les taches, les boutons, l'acné hormonal, l'acné inflammatoire. Quand tu prends ça, ma chérie, c'est garanti. Donc, ça coûte 100 000 francs en promotion. 100 000, je n'ai pas dit 5 000. Votre poudre de glutathion est revenue. Elle était en rupture de stock. Elle est maintenant là. La poudre de glutathion sert à quoi? La poudre de glutathion sert à éliminer les taches de naissance. Ça sert à blanchir extrêmement. Ça élimine les vergetures. Ça élimine les taches noires, les taches brunes, l'hyperpigmentation de la peau. Ça vous retire toutes les imperfections. Alors, pourquoi est-ce que j'ai préféré prendre la poudre de glutathion? Parce que la poudre de glutathion est assimilable à l'organisme. Par contre, le thé blanchissant, lui, il est très difficile à l'assimilation de l'organisme. La poudre de glutathion assimile bien ton organisme et le corps reconnaît que c'est une bonne poudre. Donc voilà, je vais faire le test avec la bétadine pour vous montrer que moi mes produits c'est la magie, ça ne tape pas pour tout. Je vais prendre mon verre d'eau, je mets la bétadine à l'intérieur. La bétadine représente vos imperfections. Je mets la bétadine à l'intérieur. Je répète encore, la bétadine représente vos imperfections. Alors, la poudre de glutathion viendra éliminer vos imperfections en vous blanchissant. Ça, c'est pour celle qui veut blanchir. Si tu ne veux pas blanchir, ne prends pas ma poudre de glutathion. Je ne peux pas les pleurs, je me boulais. Je répète encore. Ça, c'est vos imperfections. La poudre de glutathion, c'est la solution. Alors, voilà comment elle se présente. C'est comme ça qu'elle se présente. C'est comme ça qu'elle se présente. À l'intérieur, il y a 10 ampoules. À l'intérieur, il y a 10 ampoules. Donc, voilà. Je vais déceler devant vous. Voilà, vous allez voir comment l'eau va changer de couleur. C'est devant vous que je fais. Je ne suis pas allée à Ngoma Poubi pour faire le test. Venez, oh, venez. Je vous aime voir avec les yeux. Ah! Mes soeurs, comment vous comprenez les étapes pour devenir what? Pour devenir, on nous fait comprendre quand même les thés pour devenir toujours what? Vous voyez comment on met, où c'est la bétadine, où on met encore quel produit. Vous voyez comment ça transforme. C'est comme ça que ces produits arrivent dans votre organisme. Ça se manifeste. Ça développe les maladies. Parce que quand je vous parlais du poison, les gens pensaient que c'est le genre de poison qu'on met dans la nourriture, ou bien c'est le poison qu'on met dans la bière, ou bien dans l'alcool qu'on boit. Non! Quand on parle du poison, le genre sans buvable, c'est quoi? Quand tu bois, quand ça arrive dans ton organisme, ça développe les maladies. Tu peux avoir le cancer. Ce qu'on entend aujourd'hui, les cancers de peau, les cancers des seins, les cancers. Les médecins sont mieux placés pour expliquer. Ça développe plusieurs maladies. Et ces femmes-là, généralement, qui prennent toi les gens sans. Je pense que d'autres se lavent même 4 fois par jour. Hein. Parce qu'à tout moment, elles sont en train de dégager. Les peaux, là, la peau est fragile. Pendant que les blancs sont en train de se battre pour avoir une peau dure aujourd'hui. Vous avez vu une femme qui fait le jansang, qui a même consommé un jansang buvable là, qui est ouvertement wad, sans tache, comme notre soeur explique là. Vous avez vu ça? C'est-à-dire que quand même le moustique vient seulement piquer cette dernière,
les effets que vous voyez seulement sur la peau. Un petit moustique comme ça. Oh, nous les Africains, vous voyez que même Corona a eu peur de nous, mon frère. Parce que nous, on a une peau solide. Ça finissait les watts là-bas comme... Mais en Afrique, selon un Wanda que mais les Africains là sont comment? Oui, c'est parce qu'on a une belle peau. Regardez comment on baigne. Avec le froid maintenant, quand c'est même la chaleur, regardez comment les noirs supportent. Contrairement aux watts, ça kill même les watts. Mais Dieu te donne ce genre de peau, mon frère. Tu veux gâter. Ma soeur, tu veux gâter. Réfléchissez maintenant. Demain, vous allez accuser les ceci, les cela. C'est vous-même. Vous vous détruisez vous-même. Jansa, on boit. On ne vous explique pas dans quel laboratoire on fabrique ces produits. On ne vous dit pas d'où ça sort. Parce que dans sa pub même qu'elle a fait là, je n'ai pas entendu que c'est composé de tel produit, de tel. Non. Ça sort de tel laboratoire. Non. C'est légalisé par l'État ou bien pas. Non. On ne vous dit pas d'où le produit sort, mais on vous montre seulement les effets du produit. Vous pourrez vous acheter, vous buvez. Sur quelle prescription médicale? Qui vous prescrit ça? Celle même qui fait la propagande, la publicité de ces produits-là. Elle, il y a une école pour ça. Elle était à l'école. Je ne sais pas. Bref, je n'ai rien contre elle. Elle, c'est son business. Elle fait son business. Et je ne suis pas en train de salir ou dénigrer son business. Moi, je suis juste en train d'ouvrir les yeux de mes soeurs. En attirant leur attention. Que demain, quand ça, le retour arrive. Quand tu commences à tousser, c'est même le sang qui sort. Tu dis que non, on t'a donné ceci, on t'a donné. Non. Ce sont tes trucs que tu as consommés là. Qu'est-ce qui arrive dans ton organisme? Peut-être trouve même quelque chose qui ne supporte pas. Ça se transforme en d'autres maladies. Tu commences à tousser même comme ça. Ou c'est quoi qui sort même jusqu'à ça t'amène. On m'a dit que tu as bu ceci, on t'a fait ceci, tes amis ont fait ceci, tes camarades, tes copines. Non! C'est ce que tu prends, tu bois là. Toi-même, tu te quittes toi-même seul. Seul. Ce n'est pas différent du vivre heureux, mourir jeune qu'on parlait à l'époque. Mais on parlait du wish. Que vivre heureux, mourir jeune. Ça, c'est être belle en un laps de temps et d'ailleurs après. C'est la même chose. C'est-à-dire que tu prends ça, ça te nettoie. On dit les vergitures, les ceci, quoi, les taches, les blessures, tout. Ça nettoie. Tu es ouais, tu es belle. Pour combien de temps? Tu ne te soucies même pas de ta maman qui a souffert, payé même tes études, construit ta vie, fait de toi ce que tu es. C'est la galère, ou c'est le chômage, ou c'est la belle vie, ou c'est la chasse d'argent, ou on ne sait pas finalement votre problème. Quand vous changez vos couleurs de peau là, c'est pourquoi? J'ai lu en commentaire lors de ma dernière vidéo, quelqu'un m'a dit que c'est toujours vous les hommes qui nous encouragez. Quand tu es noir, un homme s'intéresse pas à toi. Donc tous les gars noirs qui sont dans leur foyer, qui sont même femmes d'affaires, machin, qui sont même présidentes, ministres, tout ça. Elles ont décapé leur peau pour être tout ça. Mes soeurs, soyez sages. Il dit que l'homme qui va te yamo va t'aimer. En faisant ça même, tu baisses, tu... Sinon, ce sont que les voyous qui courent derrière vous. Les vrais hommes là, les vrais hommes. Tu ne peux être que Tisa. Quand tu te décapes là, tu ne peux être que Tisa. Quel vrai homme là va prendre une go qui a changé sa couleur de peau et mettre chez lui? Qui? Ah, bon, peut-être il y en a. Mais, mes soeurs, je dis encore pour chuter, soyez sages. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.